Sokena et Oran sont des fans de Chris Bieber, le sosie belge de Justin Bieber. Elles ont pu le rencontrer chez lui, à Stambach, sur les hauteurs de Verviers. Alors Chris, comment t'as commencé à être le sosie de Justin Bieber ? Quand j'ai mis une vidéo sur YouTube pour rigoler, que j'ai prise avec des amis, et donc je l'ai mise sur YouTube et un producteur l'a repéré. Tu dois faire quoi de spécial ? Donc je reproduis un peu ce qu'il fait, mais en moins difficile. Donc je fais des chorégraphies, j'essaie de faire plaisir aux fans pour que eux voient que c'est un peu Justin Bieber sur scène, mais en fait c'est moi. Et donc leur provoquer une étincelle dans les yeux. Et sinon, t'as déjà rencontré Justin Bieber personnellement et tout ? Non, j'étais presque grâce à Gourou, mais plutôt j'ai rencontré sa mère. C'est vrai ? Tu reçois parfois des messages méchants quoi sur Facebook ? Ouais, c'est vrai. Je reçois des messages méchants. Des insultes ou peut-être des jalousies, où il y a des gens qui m'aiment vraiment peut-être pas pour ce que je fais, mais moi ce que je fais, je supprime, je bannis et voilà, j'en parle plus, je m'attarde plus dessus. C'est sûr que je passe pas inaperçu. Une fois j'étais au cinéma et regardais le film de Justin Bieber. C'était avec toi, non? Ouais. Et à l'entracte, il y avait l'équipe du cinéma qui m'appelait pour faire une photo devant la salle. Tu gagnes de l'argent en faisant tout ça? Oui, je gagne de l'argent, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est important de ne pas travailler gratuitement, sinon on se fait prendre pour une marionnette au final. T'as des projets en vue, des spectacles ou autres ? Oui, pendant les vacances, j'ai des spectacles qui s'organisent, une petite tournée comme ça, surtout en France. Ça reste à confirmer, mais une soirée des sosies où je vais me produire sur scène. Et plus tard, ça te dirait de faire une carrière comme Justin Bieber ou autre ? Ça, c'est le rêve de tout le monde, je pense. Voilà, je vais faire tout pour. Et si je ne sais pas, je me consacrerai sur d'autres projets. Comme quoi, si tu y arrives pas, tu songerais à faire quoi, par exemple ? Le métier que je voulais faire plus tard, travailler dans la police ou faire être comédien dans des séries.